Coucou les petits Pika, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mes mangas Pokémon. Alors j'ai complété encore un arc. Alors un arc c'est une série complétée. C'est-à-dire là moi ce que je vais vous présenter c'est les tomes Ruby Saphir. Alors il y a trois tomes. Alors à chaque fois quand c'est complété ils appellent ça un arc. Parce que dessus il y a une Pokéball, je vous le montrerai, et ça représente comme un arc de cercle. Alors, les amis, on va commencer avec le premier tome, Ruby et Saphir, avec Flora, le personnage de Hoenn, Gobou, Skitty, Medina, Galekid et Poussifeu. Alors, ils sont vraiment géniaux, ces mangas-là. Alors, je vous montre. Vous voyez sur la tranche, là, alors il y a Kirlia, le héros, hein, et là, vous voyez, il y a un bout de Pokéball. Alors c'est pour ça, quand ils sont réunis, je vous les montrerai. Ça représente une Pokéball entière. Alors là, il y a le héros avec son petit Poussifeu et son Arco. Le petit Gobou. Et attendez. Voilà. Comme ça. Vous pourrez mettre pause. Attendez, comme ça. Voilà, il y a moins de reflets. Pause et vous pourrez lire le petit descriptif derrière. Voilà. Alors pour l'instant, on le met comme ça. Voilà, et j'ai mis un fond aussi en rapport avec les Pokémon de la troisième génération. Alors, Ruby et Saphir 2. Alors celui-là, il est plus rouge, il est super beau. Alors il y a Groudon, Flobio, toujours Flora et le héros, bien sûr. Et le petit Galifeu. Attendez, hop, je vous montre la tranche toujours. Avec Graillena, Galeking. Négapi Poussi et Possipi, j'allais dire Poussif. Lagron, Brazégali, ils sont sublimes. Et là, le derrière, alors il y a Rayquaza. Alors sur la tête de Flora, alors il y a le petit Morpheo. Et là, derrière, c'est les méchants. Alors, de la team Magma. Et de l'autre. Non, de la team Aqua, excusez-moi, gauche. Et de la team Magma à droite. Dans le corps du Rayquaza. C'est vachement bien fait. Alors, le petit descriptif, attendez. Comme ça, voilà. Vous mettrez pause pour le lire. Voilà, je le mets là pour l'instant. Et le troisième et dernier manga de cet arc. Avec bien sûr la couleur bleue derrière et le beau Kyogre, Lagron, Brazégali, toujours Flora bien sûr, et le héros en mode vraiment badass. Là-dessus, il est sublime. Sur la tranche, alors il y a Flora, avec derrière, je ne sais pas si vous voyez, un petit Whelmer, si on le voit. Super, franchement. Et là derrière, alors c'est Pierre, le dresseur d'Athanapolis, sublime avec le beau Métalos. Et bien sûr, attendez, comme ça, le descriptif. Vous mettrez pause pour pouvoir le lire. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on met, attendez. Le manga comme ça, il faut que ça tienne. Hein. Est-ce qu'ils vont tenir? Attendez. Comme ça, hop, voilà. Et attendez, je vais mettre la caméra sur le côté. Je préfère. Hop là, parce que sinon tout va se casser. La margoulette, on peut le dire comme ça. Voilà. Ça donne ça, ça fait super beau. Dans mon présentoir à manga, au moins on voit tout le détail. Et vous voyez, on voit bien la Pokéball entière. Et dès que vous avez la Pokéball entière, que ce soit n'importe quelle collection des gros tomes, hein, je parle de Pokémon, et ben en fait la Pokéball sera entière. Et là on voit bien le petit dessin. Alors j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Voilà, on va les pousser, hein. À très vite les amis. Bye!